Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons tout le Jésus Christ. Nous allons barquer Jésus Christ. Nous allons mettre le bari bari bari. Mon frère, ma soeur, je bénis ta vie. Que le Seigneur vraiment ouvre sa grâce sur ta vie. Continue de te combler. Continue de te remplir par son esprit. Continue d'ouvrir vraiment ses bénédictions, sa grâce sur toi. Afin que tout ce que tu lui demandes en cette année, et qui fait partie de sa volonté, et qui fait partie de sa faveur sur ta vie, que tu puisses l'obtenir en son nom puissant, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors je souhaite un très bon matin, la paix, la joie, tout ce qu'il y a de bon dans cette vie. Je te souhaite d'être dans l'assurance des enfants de Dieu, de ceux qui croient, de ceux qui sont vivants avec le véritable vivant, de ceux qui espèrent en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, de ceux qui espèrent en la vie éternelle. Parce que là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Ce n'est pas encore fini, mon frère, ma soeur. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai lu le passage de l'évangile de ce jour. Alléluia. Alors lorsque Jésus-Christ a déclaré qu'il est le pain venu du ciel, que son corps et son sang, il nous le donnera comme breuvage et nourriture, alors il y a beaucoup de disciples qui l'ont quitté. Alors mon frère, ma soeur, je te pose la question ce matin. Est-ce qu'il t'arrive des fois de quitter Jésus? Est-ce qu'il t'arrive des fois d'abandonner Jésus? Alors dans ton cœur, dis-toi, que ça ne m'arrive plus jamais. Que ça ne m'arrive plus jamais au nom de Jésus. Ah vraiment, je te le souhaite, que ça ne t'arrive plus jamais. Et comme Pierre, que tu puisses dire, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui transforment ma vie. Tu as les paroles qui guérissent mes maladies. Tu as les paroles qui guérissent ma famille. Tu as les paroles qui transforment ma destinée. Même si le diable avait craché sur moi, même si le diable avait mis son venin dans mes affaires, Jésus, quand tu te lèves, les choses sont transformées et sont changées. Alléluia. Jésus, tu kan la nidem nakh yow yaay ki yore kaddu du neugui. Yow yaay ki yore kaddu deug gi ter ndax yow yaay yon bi yow yaay deug gi yow yaay dund gi a Yesu Christa ñu ngi lay naw ci suba silé ñu ngi lay tagas ñu ngi lay magal ñu ngi lay jaamu Yesu Christa ñu ngi lay magal dila gëreum ci lepp lo xamni jox nga ñu ko te defal nga ñu ko ndax déssalo toñu da Seigneur merci Seigneur Jésus merci. Est-ce que tu peux dire avec moi Seigneur Jésus merci en ce matin xawma fan nga nek dans ta voiture, dans ton entreprise, dans ton bureau, dans ta maison, dans ta cuisine, dans ta chambre, sur ton lit. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et donne-moi la grâce de ne plus te quitter. Alléluia. Seigneur, à qui? Jésus, à qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est toi. À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous en ce monde? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Jésus, Jésus, hey, 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 hey.
tristesse comme mon seul ami. Quand je n'ai personne comme mon seul abri dans la pluie, comme mon seul abri. Mon frère, ma soeur, je te présente cette adresse. Cette adresse qui est sûre et certaine. Cette adresse qui est sûre de marcher. Oui, tu es parti partout. Tu as longtemps cherché. Tu as longtemps hésité. Tu as longtemps marché. Tu as longtemps fait. Tu as longtemps dit. On t'a longtemps fait faire. On t'a longtemps dit. Mais ce matin, je te présente une adresse. Une adresse qui est sûre. Une adresse qui est rentable. Une adresse où il n'y a pas de maladie. Une adresse où il n'y a pas de peine. Une adresse où il n'y a pas de tristesse. Parce que à cette adresse, tu vas trouver le maître de la vie. Le maître qui restaure. Le maître qui guérit. Le maître qui soutient. Le maître qui console. Le maître qui relève. Et il s'appelle Jésus. Parce qu'en Jésus, même la souffrance se transforme en bonheur. Avec Jésus, même la maladie se transforme en un challenge. Avec Jésus, tu es rempli de bonheur et de grâce. Alléluia. Alors je te souhaite Jésus. Je te souhaite Jésus de tout mon cœur. Je te souhaite ce Dieu véritable, cet ami fidèle, ce bon berger dans ta vie et dans la vie de ta famille. Sois comblé. Sois béni, sois rempli durant cette journée et que ton cœur continue à l'adorer, à le louer véritablement. Alléluia. Seigneur, étends ta main et bénis-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.